Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 12 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie pour ce 12 juin, lever du soleil. Ce matin, décidez de se réveiller plus tôt et prendre le temps d'admirer le lever du soleil en silence. C'est beau, non? Mais oui. Le lever du soleil, c'est beau à voir. Voilà la petite philosophie de ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé debout. Vous pouvez voir que c'est un poulain. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts, eh bien, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. L'univers, il va pas mettre quelque chose si vous n'êtes pas apte à agir. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Le hasard n'existe pas. On a toujours un pourcentage. Dans tout ce que nous vivons, il y a un pourcentage de nous. C'est-à-dire, peut-être pas dans cette vie, mais des vies antérieures qui nous montrent que nous n'avons pas réglé dans nos vies antérieures, et que nous les avons ramenées ici, dans cette vie-ci. Donc, rien n'est hasard. Et pour améliorer votre vie présentement, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous. Souvent mal utilisée, peut-être, certes, mais bien présente, elle est bien là. Et n'en doutez pas, cette force intérieure, vous l'avez en vous. Et en la contactant, et en la dirigeant vers du constructif, eh bien, c'est ainsi que vous verrez des miracles se produire. Et dans l'action, n'est-ce pas? Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Et pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Et là aussi, eh bien, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Repensez à quelques situations que vous avez passées et que vous avez surmontées. Et utilisez, eh bien, cette force à votre avantage. Et tout ça, c'est possible, n'est-ce pas, si vous le désirez. La prise de conscience qui va s'en suivre, eh bien, vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Et vous découvrirez comment mieux diriger votre énergie. On se remet debout, on tombe, on se remet debout. C'est comme le petit enfant qui apprend à marcher. Il fait un pas, deux pas, il tombe, mais il se remet debout. Et il y va, avec cette force incroyable. Pour développer votre intuition, alors, par peur de vous tromper, vous avez quelquefois, vous vous méfiez de votre intuition parce que vous avez peur. Pourtant est d'une aide précieuse, n'est-ce pas? Cette intuition. Mais vous ne la suivez pas toujours
parce que vous avez peur de vous tromper. Pour vous rassurer, eh bien, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. Et en identifiant ces freins, c'est ainsi que vous pourrez plus facilement les éliminer. Très 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 beau message, n'est-ce pas? On peut tomber. Dans la vie, on peut tomber. Mais on peut se relever. Si on le désire, si on le veut au plus profond de soi. J'ai chuté. Dans ma vie, j'ai chuté. Et je me suis toujours relevée, je me suis toujours remise debout, avec cette force. Eh bien, vous aussi, c'est pareil. Vous avez une force intérieure. Et vous n'en êtes peut-être même pas conscient. Mais on peut se relever. On peut tomber très bas. Mais on peut toujours, toujours, toujours se relever. Quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec énergie de guérison. Et aujourd'hui, une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois. Et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, je vous embrasse. À demain. Prenez soin de vous.